Je ne veux pas le savoir, débrouillez-vous. Le contrat stipule que la construction doit être achevée à la fin du mois. Oh. Idéal, il faut qu'il soit intelligent et drôle. Et romantique. Oui. Dommage qu'il n'y en ait pas à Torrington. Hey! Hein? Mmh. Oh. Rose de velours, anémone bleue, je meurs d'amour pour vos beaux yeux. Hein? Il faut surtout qu'il soit sincère. Hein? Ah! Le ciel a dû perdre un de ses anges puisque tu es là. Tes yeux ressemblent à un lac de... Oh, t'es vraiment trop truffe. Martin, où tu as pêché ces vers ridicules? J'essaie de séduire Jenny avec l'aide de ce manuel infaillible. Mille et une façons de plaire aux femmes. Hein? Bah, c'est ce qui s'appelle jeter l'argent par les fenêtres. Attends un peu, je vais te prouver que tu as tort. Ah oui, je tiens le pari. Hey, ça va, poupée? Pas trop essoufflée à force d'avoir le cœur qui bat chaque fois que tu me vois? Eh ben quoi, il faut bien que je m'échauffe un peu. Hey, salut les beautés! Sauvée par le centre, t'as de la chance. Ouais, et ben tu perds rien pour attendre. Hé, où est Java? Aucune idée. Maintenant que j'y pense, hier non plus, je l'ai pas vu, pourvu qu'il soit pas malade. Oh! Martin Mystère, identifié. Diana Bombard, identifié. Mais où est passé Billy? Tu crois qu'il est malade, lui aussi? C'est peut-être une épidémie. Bienvenue à Hawaï. Les vacances. Désolée, Java, t'es peut-être en congé pour la cantine, mais pas pour le centre. Je ne comprends pas à quoi carbure ce vaisseau. J'ai déjà éliminé le plutonium, l'essence, l'eau gazeuse, le sucre en poudre. Oh, génial. Un peu de sérieux. On nous signale une disparition à Toronto, au Canada. Une certaine Christy Jones s'est mystérieusement volatilisée lors d'un orage électrique. Incroyable! Vous saviez que les orages électriques éclatent quand un vaisseau alien pénètre dans l'atmosphère? Oh, ne me dis pas que t'as gardé ça!
Regarde-moi faire et apprends. Oh! Quel tombeur! Alors, qu'est-ce qu'une aussi jolie jeune femme peut bien fabriquer dans un endroit pareil? Ce sont les fumées qui vous encrassent le cerveau. Continue, Martin, c'est instructif. Alors, vous êtes de quel signe? Agent Martin Mystère, ne m'obligez pas à vous faire révoquer. Alors, je ne comprends pas. Il faudrait peut-être que je travaille mon élocution. Oh oui, ça doit être ça. Super ton livre, Martin. Tu me le prêteras quand t'auras fini? Pas de problème, Billy. J'ai toujours su que t'étais un type intelligent. Oh, allez, bouge. J'étais chez moi, à la fenêtre. J'ai vu les lumières colorées et j'ai entendu crier. Quand je suis arrivé, elle avait disparu. Et lumières colorées? C'est ça, oui. Le ciel est devenu rose et bleu. Les orages électriques n'ont pas de couleur. Ce ne sont pas des aliens, je parie que ce sont des voleurs d'âmes. Ah, des voleurs d'âmes. Quand une âme est arrachée au corps, son aura polychrome remplit l'air. Merci, monsieur. Java avoir aura? Bien sûr, tout le monde en a. Sauf les gens à qui on a arraché l'âme. Oh. Arrête de dire n'importe quoi, l'aura, ça n'existe pas. Non, bien sûr, mademoiselle ne croit à rien. Si, par exemple, je crois que ton livre est complètement nul. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Bigfoot. Bigfoot, exactement. La légendaire créature mi-homme, mi-bête du nord-ouest pacifique. C'est simplement quelqu'un qui a glissé dans la boue et laissé une empreinte plus large. Bizarre, je me rappelais pas que le Bigfoot avait un chien. Les empreintes humaines ont disparu. On dirait qu'elles se fondent dans celles du chien. Regardez, une plume. Elle n'a pas l'air d'appartenir à un oiseau d'ici. Bonsaï. Le bas de pirate. Il y a un numéro en mémoire. Ça doit être le téléphone de Christy. Voyons à qui elle a parlé avant de disparaître. Oh, pas de connexion. Chronoscan activé. Recherche du 555-1583. Mode recherche numéro. Résultat, design moderne, 4124 Maple Road. Ah, voilà notre point de départ. Très accueillant l'immeuble. Oui, je trouve aussi. La même chose que moi. Oui, ça me rappelle mon film d'horreur préféré. Les zombies au bureau. Jamais entendu parler. Oh, eh bien, nous voudrions vous poser quelques questions, voilà tout. Je suis très occupé, c'est vraiment important. On nous a signalé la disparition d'une certaine Christy Johnson. Non, pas Christy. Savez-vous qui aurait pu vouloir l'enlever? Non, mais depuis qu'on a commencé à construire sur cette réserve, il se produit des choses terribles. Oh. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore cet horrible grognement!
projection. Par ici. On le tient. Il n'y a pas d'issue. Il sera coincé au bout du couloir. Il a filé. Je croyais qu'on le tenait. Et c'est lui qui tient l'architecte. Venez, il faut essayer de découvrir qui est ce monstre. Chronoscan activé. Mode visco-analyse. Analyse des données. Échantillon identifié. Composition: mucus canin alcalin. De la bave de chien, berk. Famille des canidés, race non spécifiée. Les canidés? Un loup! Je parie que c'est la même créature qui a laissé ses empreintes dans le parc. Mais pourquoi est-ce qu'il s'attaque à ces gens? Il a laissé quelque chose qui va nous permettre de le savoir. Une griffe. Envoie la Bélé pour qu'il l'analyse. Chronoscan activé. Alors, qu'est-ce qu'il y a, les potes? T'as battu ton record de vitesse? Tu peux identifier ce truc-là? Cette griffe a près de 5 siècles. Oh, le loup qui l'a perdu aurait donc 500 ans? En fait, elle provient d'une ancienne parure de tête. Comme celle des Indiens d'Amérique? Oui, sauf que celle-ci vient du peuple autochtone canadien. Oh. L'architecte nous a bien dit qu'il construisait sur une réserve. C'est la cadavre! Un peu de calme. Laissez-moi parler. Silence, s'il vous plaît. Pas droit. Je ne comprends pas les raisons de votre colère. Vous ne respectez pas nos terres. Parfaitement. Vous vous moquez de nos traditions. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Oh, regarde le collier qu'il porte autour du cou. C'est honteux. Partez. C'est le sanctuaire de nos ancêtres. Allez-vous-en. Venez, on va le suivre, on en saura un peu plus. Oh. Oh. Il a dû être enlevé par le loup. Oh non. Oh. Interroge le Légendex, j'ai une plume. Chronoscan activé. Mode Légendex. Loup, plume, autochtone. Écoutez ça. D'après la légende, la tribu des Massis peut convoquer l'esprit du loup par un portail mystique et le fusionner avec l'homme. Lorsque la tribu est menacée, l'homme-loup s'empare de ses agresseurs et les bannit en enfer. En enfer? J'aime pas trop cette idée-là, moi. Oh. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bruit? Vous voyez quelque chose? Non. C'est la voix du promoteur. Vite, suivez-moi. Non! Java! Martin, où es-tu? J'y vois rien dans ce brouillard! Je suis là, Diana! Martin! Diana! Oh. Ah. Qu'est-ce que tu as fait de ma sœur? Oh!
N'approchez pas, reculez, fichez le camp, allez sous. Martin. Ah, Diana, Java. Martin. Si je comprends bien, toi aussi t'as été mordu. Il y a des avantages. Je brûle, poupée. Vous venez d'allumer un incendie en mon cœur. Prenez une douche, ça vous guérira. Je te l'ai dit, fais-toi rembourser ce livre. Homme-loup. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où on est? Vu le décor et l'ambiance, je dirais qu'on est dans les enfers de la tribu Massy. Ah! Et comment on fait pour sortir? La légende dit qu'il existe un portail. Chronoscan activé. Mode légendex. Ah, voilà. Là où convergent les couleurs, s'ouvre le portail des enfers. Vite, dépêchons-nous, c'est maintenant ou jamais. L'argent repousse les loups! Vite! Tout le monde! Sortez tous vos objets en argent! Diana, ton stylo, Java, la boucle de ta ceinture! T'es dingue! Vas-y, mort! Java perd son pantalon. Java. Java a trouvé Grotte. Java fait bien mieux que ça. Java a trouvé le portail. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait, Martin? Jetons-nous dans la gueule du loup. Voilà le travail. Attends, mon vieux, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Peut-être parce que c'est le loup alpha. Comment est-ce qu'on l'arrête? La légende, le loup revient pour protéger la terre. Mais bien sûr, il faut démolir ces immeubles. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous croyez? On voit bien que vous me connaissez mal. Je ne pensais pas que ça tournerait si mal. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Oh!
Qu'est-ce qui s'est passé? Vos terres étaient menacées et l'esprit du loup s'est emparé de ton corps. Hé, c'est la parure de mon arrière-arrière-grand-père. Ouais, et c'est pour ça qu'elle doit retourner à ses origines. Beau travail. Nous allons rapporter ce collier sur la terre sacrée des Massi où nul ne pourra s'en emparer. Vacos. Profite-en, Java, tu les as bien mérités. J'ai eu drôlement peur quand le loup t'a attaqué. Ah oui? Parce que je voudrais te dire que sans toi, ma vie n'aurait plus aucun sens. Oh, Martin, est-ce que c'est gentil? Ah, page 23 du manuel. Je savais que ça marcherait. Génial, ce bouquin.